Cette nouvelle série Trick and Tip. Donc, bienvenue à toi, je sais pas, entrepreneur, freelance ou indépendant ou simple visiteur de YouTube. Alors, aujourd'hui, on va traiter du sujet comment rendre la prospection agréable, parce qu'en général, la prospection, en tout cas parmi les entrepreneurs que je croise, que j'en croise beaucoup, c'est pas un sujet dont ils raffolent. Et pourtant, alors je me présente d'abord, je suis Mickaël Capgras, dirigeant du réseau d'affaires YouWorkir. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord un réseau d'affaires pour ceux qui ne le savent pas? Ceux et celles qui ne le savent pas, bah, le principe, il est assez simple. C'est quand on n'est pas super fan de la prospection, qu'on se sent un peu seul dans son activité, bah, moi, je réunis des entrepreneurs et j'en fais une bande de potes afin qu'ils s'échangent des clients. Alors, je vais donner un exemple. Hein, c'est souvent le même exemple que j'utilise, mais il est tellement efficace. Alors, c'est par exemple l'agence web qui finit un site web pour l'un de ses clients. Et puis, bah, forcément, on se pose la question du contenu. Et bah, elle va voir cette agence web, le photographe du groupe, et il fait, tiens, en fait, j'ai fini un site web pour l'un de mes clients, est-ce que tu peux pas t'occuper, voilà, de mettre un petit peu de photos pour agrémenter tout ça? Voilà, c'est comme ça que les entrepreneurs de chaque groupe développent ainsi son business. Alors, l'idée de cette chaîne, c'est d'apporter, voilà, des informations, des astuces pour les adhérents, mais pas que, hein, c'est aussi un moyen de découvrir des nouveaux adhérents ainsi, des futurs nouveaux adhérents. Aujourd'hui, on va voir le sujet de comment rendre la prospection agréable pour que ce soit plus un chemin de croix. Alors, je vais donner trois astuces, hein, et puis si vous souhaitez en savoir plus, pour ceux qui êtes déjà au courant, comme d'habitude, vous aurez un lien qui vous emmène tout droit vers le blog de YouWorkir et vous aurez beaucoup plus d'informations sur le sujet. Donc là, on va en donner trois, mais vous en aurez cinq. Donc, deux de plus si vous allez sur le site web, enfin plutôt sur l'article dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Alors, on va attaquer tout de suite. Donc, si tu es entrepreneur, je pense que très certainement, j'en suis même certain que tu te donnais une mission quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Ne me mens pas, je suis au courant. Moi, par exemple, quand je me suis lancé, l'idée... Alors, quand je me suis lancé, bon, moi, j'ai connu la solitude d'entrepreneur plus un chagrin d'amour. Donc, forcément... ça vous donne une certaine trajectoire. Et moi, mon idée, c'était que plus aucun entrepreneur ne soit tout seul dans son activité. Alors, c'était soit ça, soit je lançais une application de rencontre. Donc, n'étant pas très développeur et puis ça me disait pas trop d'être entremetteur, je me suis dit autant lancer un reste d'affaires. Après tout, le truc d'être un apporteur d'affaires, c'est quelque chose que j'aime bien faire et c'est un peu cette notion qu'on a dans un réseau d'affaires. Voilà. Donc, cette mission et en plus. Quand on a cette mission, on se voit plutôt, vous savez, on voit les choses sur du long terme. Ouais. C'est quelque chose qu'on construit, qu'on combattit. On sent que pour construire un empire, ça prend du temps. Parce que c'est une vision que de vouloir que plus aucun entrepreneur soit tout seul. Donc, quand vous avez un petit truc, un prospect qui vous dit non, c'est pas grave. J'envisage cette mission sur le long terme. Donc, ça peut pas être, on peut pas avoir une ambition haute qui se fait du jour au lendemain. Donc, si j'ai de temps en temps un petit tracas, un prospect qui me dit non, voilà, qui se fait désirer, it doesn't matter. C'est pas grave. Voilà. Ensuite, il faut aussi, comme voilà, comme deuxième astuce, je vous invite à repenser au fait que votre offre, c'est un pari que je fais, mais j'en suis quasi sûr, rend service. Statistiquement, ou alors il faut changer d'activité, votre offre ne peut pas ne pas rendre service. C'est impossible. J'imagine que quand vous l'avez conçue, vous avez dû identifier un problème sur le marché sur lequel vous vous adressez, puisque vous-même, vous avez été victime. Donc forcément, ça s'adresse à quelqu'un. Donc forcément, ça rend service. Donc il faut y penser. Et puis si ça suffit pas, vous avez... En tout cas, je l'espère pour vous, des clients qui en sont très contents, qui ont dû à un moment donné vous faire un compliment ou deux sur votre offre, et ben, rappelez-vous, écrivez-le sur un papier, mettez-le sur un post-it, voilà, et comme ça, quand vous faites vos séances de prospection, téléphone ou par mail, ce que vous voulez, ben, voilà, c'est du baume au cœur qui revient à vous, qui vous rappelle que ben, vous rendez service. Et bordel, c'est bien d'aider son prochain. Voilà. Alors, et on va terminer pour un troisième pour se rendre sa prospection. Agréable, c'est le principe un petit peu, vous savez, de la PNL, de s'envoyer des ondes positives avec travers le corps, la communication non verbale. Moi, par exemple, je pourrais ne pas aller bien au moment où je vous parle, mais le fait de me forcer à sourire, peu importe, voilà, divorce, le chien qui est malade, j'ai même pas le chien pour vous dire, ou quoi que ce soit, ça va pas bien. Ben, si je me dis, il faut que je souris, il faut que je souris, il faut que je souris, je souris.
Ouf, ça m'envoie des énergies positives et ça m'invite à aller beaucoup mieux. La tête, donc ce qui se passe dans ma tête et mon corps, c'est pas deux choses hermétiques. Voilà, si ma tête ne va pas bien, si je me dis je vais pas bien, je vais pas bien, à un moment donné, au niveau de mon corps, je vais finir par ne pas aller bien. Et l'inverse aussi marche. Donc vous pouvez comme ça hacker votre cerveau. Alors, je vous donne un exemple, un autre exemple sur ce sujet-là. Si vous devez faire une prospection téléphonique, on va aborder la phase la plus désagréable que tout entrepreneur redoute. Moi, je vous invite, levez-vous. Déjà, ça va vous donner l'énergie. Vous allez voir que vous êtes beaucoup plus actif quand vous êtes debout que quand vous êtes assis. Forcez-vous à sourire comme je vous l'ai dit et entrez au niveau de votre corps avec une attitude dynamique. Ça va vous envoyer un peps, voilà, assez incroyable. Donc je vous invite à le faire. Donc je récapitule mes trois astuces pour rendre la prospection agréable. Donnez-vous une mission. Voilà, voyez les choses sur le long terme. Donc ainsi, ça va vous permettre de relativiser les éventuels refus de prospects. Pensez que votre service, enfin plutôt rappelez-vous que ça rend quand même un service. Moi, ben voilà, je suis content que mes entrepreneurs commencent à faire une tribu, une meute, et qu'ils chassent ensemble des nouveaux clients. Moi, c'est mon kiff, voilà, je vous le dis tout de suite. Et ensuite, en troisièmement, ben, jouez de votre corps, forcez-vous à ce que votre corps soit actif quand vous prospectez, ou même faites un peu de sport, un peu d'exercice. Quand j'étais au théâtre, on avait l'habitude de faire des petits exercices avec la bouche pour s'envoyer de l'énergie. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus, vous avez donc en description de cette vidéo un article qui vous en dit beaucoup plus. Allez, je vous souhaite un bon bise et je vous dis bise. Au revoir!